Allô, j'espère que vous allez bien. Fait que j'avais pas fait de vidéo d'entrée pour mon vidéo. Fait qu'on est dans le futur. Après ça, on va retourner dans le passé dans la vidéo. Aujourd'hui, j'ai été à Friperie. Fait que je vais vous montrer. J'ai acheté des lumières de Noël. Fait que j'ai pas encore décoré. C'est la seule chose que j'ai mis dans la maison. Pour l'instant, j'ai encore des décorations d'Halloween dans la maison. Je vais enlever ça en fin de semaine. Sinon, vous allez voir des clips que j'ai pris en fin de semaine. Fait que je vous laisse là-dessus. Fait que vendredi. Vendredi, je travaillais à la clinique. Puis il y a un chat qui s'est présenté pour une consultation d'urgence. Mais finalement, les gens ils ont opté pour l'euthanasie du chat. Et mes collègues l'ont sédationné avant de procéder à l'euthanasie. Et juste avant qu'ils procèdent, j'ai décidé de lui donner une chance de l'amener chez moi pour essayer un traitement. Fait que le chat, il s'est présenté avec des symptômes urinaires. Fait que. Un risque de blocage, j'étais pas bloquée. Un blocage, c'est quand il y a des pierres qui bloquent au niveau de l'urètre, puis le chat n'est pas capable d'uriner. C'est pas le cas de ce chat-là, il est capable d'uriner, mais il y a des pierres dans sa vessie. Fait que, idéalement, un traitement avec la nourriture urinaire et la médication pour l'aider à ce que ça passe est la meilleure option. Fait que c'est ça que je fais avec lui pour le moment. Fait qu'il reçoit un antibiotique, vu qu'il y a des pierres, ça peut faire. Des lésions au niveau de sa vessie, fait qu'il y a un antibiotique, un antidouleur et un antispasmatique. Ça aide à la contraction de son muscle au niveau de son urètre. Fait que c'est ça qu'il reçoit comme médication. Puis il y a aussi, je vais vous le montrer après, il y a juste 9 mois le petit coucou. C'est pour ça que je trouvais ça triste. Oups. La urinaire est saut comme ça. Il y a aussi des cannes. Ça va être ça son traitement. Il mangeait. Là, on est rendu dimanche. Il est arrivé vendredi soir. Puis, au début, il mangeait pas. Hier, il a fallu que je le gave. Puisque je voulais être sûre qu'il y ait une quantité de nourriture quand même dans son système. Mais là, ce matin, il a commencé à manger tout seul. J'ai mis un petit peu de jus de thon. Puis le jus de thon, il a tout fait la différence. Il a commencé à manger avec ça. Fait que je vais vous le montrer. Et lui, ça c'est Figaro en arrière, ça c'est Jack. Jack, il a 9 mois. Je vais vous montrer aussi sa radiographie avec ses 3 pierres. En espérant que ce soit des struvites. Ces struvites, se dissout avec la nourriture. Et si c'est des oxalates, c'est pas le cas, il va falloir qu'il se fasse opérer. Si c'est des oxalates, en espérant que ce soit des struvites. Un Jack. Les deux chatons. Figaro! Jack! Oui! Je vous montre en même temps la neige. C'est tout blanc partout. Jack, à soir, il est très colleux. On est lundi soir. Il est très, très, très câlin. Oui, on pourrait presque croire que c'est Figaro quand on voit juste son menton. Mais il a les yeux jaunes, Figaro. Les deux comiques sont tout le temps proches de la porte de Jack. Jack qui est dans cette chambre-là. Ils sont tout le temps proches parce qu'ils veulent voler sa canne. Figaro, hein? Figaro, l'année passée, la porte a ouvert par accident parce que la porte a clenché mal. Puis il a été toute la nuit dans sa pièce et il a tout mangé sa nourriture. Fait que tout manger les croquettes, la canne. Et je pouvais pas savoir non plus s'il avait uriné parce que il était là toute la nuit. Petit coquin. Ouais. Baz aussi veut la canne. Je voulais vous montrer une commande que j'ai faite la semaine passée, que j'ai reçue aujourd'hui, on est lundi. Dans ma belle-famille, on fait un échange de cadeaux et j'ai pigé ma belle-sœur et elle a demandé une tuque éco-griffe. Fait que j'ai commandé, puis en même temps, j'en ai profité pour me commander une tuque aussi pour moi. Je vais vous montrer le modèle qu'elle voulait, si jamais ça vous intéresse d'en commander.
C'est le la sorte tradition fleur lavande. Ok, ici. Puis la mienne, c'était dans la collection Audace 2023, je crois. Elle est jaune. Je vais vous la mettre pour vous montrer. Fait que c'est ça que ça a l'air. Fait qu'on on me perdra pas cet hiver dans la neige. On va me voir en masse. Fait que c'est Écogriffe, la compagnie. Merci d'avoir regardé la vidéo de cette semaine et n'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez aimé. Sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait. Je vois que dans mes statistiques YouTube, je pense qu'il y a 76% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Fait que vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Probablement que demain, ça va être moi qui vais faire mes décorations de Noël. Fait que manquez pas ça. À la prochaine.